Frère Maxime, yo, bonjour. Moi salue au nom du Seigneur, Jésus nous qui gagne tout pouvoir. Nous comptons là avec vous encore matin pour notre dévotion matinale. Seigneur a fait nous grâce, nous dormir, nous lever. Nous disons merci pour ça. Je dis à ce 40e jour dans la série de dévotion. Même Jean l'anglais a dit time flies. Nous sentis que jour passé vite, très vite. Nous guettons le dernier jour, nous, qui c'est 40e jour matin. Nous souhaitons que pendant 40 jours, ça y est, que vous êtes béni, que vous êtes édifié, et que tout ça que vous êtes tendé, Saint-Esprit capable d'aider, vous mettez en application pendant la saison de jeûne, si là, prière, consécration et de dévotion. Saint-Esprit a utilisé plusieurs intervenants, des femmes et des hommes de Dieu qui étaient passés avant nous, qui étaient fait un travail excellent. Donc, nous souhaitons que vous êtes apprendre et bon Dieu capable de servir avec toute parole, ça au côté tendez, on va mettre en application pour édification la vie spirituelle. Maintenant, thème nous aujourd'hui hein, pour dévotion nous, c'est Christ l'a advenu comme roi et seigneur dans toute majesté. Li. Et passage nous va lire avec au matin, c'est dans en Révélation 9, versets 11 à 16. On va suivre avec nous pendant que nous lisons pour. Après ça, moi, le ciel l'a ouvert et puis, oh, yon choual blanc paret. Yo tere le moun ki sou li a, nom serye ki bay, ki pa nan bay manti. Lap jije, lap mene batay la, jan sa dwe fèt. Je li yo klere takou flam di fe. Li te gen yon ban kouwan sou tèt li, li te gen yon nom ekri. Se li menm sel ki te konen non sa, person lot pat konen li. Li te gen yon rad benyen nan san, yo relel parole bon Dieu. La mer qui dans ciel la t'a suivi li, yo tout te monté sous choual blanc, yo te habillé ak bel rad toile fin, bien éclairé, bien propre. Yo épée bien filé t'a sorti dans bouche cavalier ya. C'est ak n'épée ça li t'a frappé nation yo. Li t'a mené yo ak yon bâton fait, li t'a crasé raisin yo dans moulin divin. Gros colère bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Verset 16. Sou rad li ak sou jam li yo te écrit non ça. Wa tout wayo chef tout chef yo. Amen. Ça c'est parole bon Dieu. Amen. Lè mwen te ti moun, frère Maxime yo m'tap grandi, mwen te toujours tande grand moun ap di marcher tout sauvé. Et m'te kon toujours di ki sa sa vle di marcher tout sauvé et puis c'est plus ma pi grand m'ap comprendre. Et bien jodi en plus que jamais nous dans dernier temps si là que n'a vive nous doit marcher tout sauvé. Ça veut dire toujours prêt, être toujours prêt dans tout ça fait. Tout côté koyé ou toujours en constant communion avec bon Dieu, dans en consécration, dans en communion avec Seigneur, pour ap travail, pour l'école, pour nos marquettes là, pour on en shop ou quel que soit ça à régler, l'esprit est toujours connecté avec le Seigneur. Et bien, dans le passage nous aujourd'hui, nous voyons l'apôtre Paul présenter nous un bel texte qui décrit Jésus-Christ le l'a retourné, comment que le ciel l'a ouvert. Et nous voyons toute attention au texte, il focus sur Jésus-Christ et retour Seigneur qui est imminent et évident. Et bien, Seigneur, nous en Jésus l'a venu, comme nous tous connaissons, il vient pour venir, là pour retourner. Et là, nous gardons tout signe des temps qui a passé aujourd'hui là. Nous sentons que le Seigneur n'a pas trop loin pour lui venir. Et là, lui retourne la venir avec toute l'armée, les anges qui ont accompagné pour lui venir. Et bien, tout chef sous la terre joue ça, quel que soit gros royauté, gros reine sous la terre, gros chef sous la terre, gros président de grand pays, que vous êtes capable, grand citoyen, et bien, joue ça, tout calbaisse à terre bien bas pour vous prosterner devant roi Jésus. Amen. Alléluia. Et bien, apôtre Jean décrit Jésus-Christ avec Gélio, clairé ta couf plam du feu. Yon ban couronne sous tête li. Wob li taché avec sang. Yon paquet image puissant, hein, que nous wè nan sen sa, qui décrit Seigneur nous en sauveur nous en Jésus-Christ. Et bien, moi-même avec vous, n'aptan retour Christ là avec un pile anticipation. Pour qui ça? Parce que nous connaissons le jour ça va arriver, tout tracas va finir, toute tête chargée dans le monde, ça, tout découragement, tout l'amour, pas bien l'amour encore.
Hein, pas de deuil, pas de crier, pas de douleur. Et ça, c'est selon la Révélation 21, verset 4, qui fait nous connaître que toute douleur, toute chagrin est pour finir dans un grand jour. Ça. Et bien, nous contempler. Et pendant que nous avons contemplé tout résultat bénéficieux, ce n'est pas sous bénéfice seulement pour nous concentrer, mais c'est pour nous concentrer plutôt sur Christ. Là. Côté que nous avons Jésus avec un pile motivation, avec une passion, parce que c'est Jésus nous que nous remet en pile. Que Napton avec espoir et n'a focus sur lui plus que tout bénéfice que n'a besoin pendant retour lui focus sont doués sur Jésus-Christ seulement. Et mais pendant la clôture saison de consécration ça et de prière ça que nous t'ai gagné pendant ces dernières 6 semaines nous voulons commencer fini côté que nous t'ai commencé nous t'ai commencé côté que nous t'a focus sur Jésus avec la joie sur Christ. Les mêmes qui régnaient en tant que Seigneur et roi, qu'on y a et pour toujours. N'a focus, continue focus, qu'un bé regard nous soupris. Moi-même avec vous, nous faisons vie de vocation dans servir Jésus. Nous remets Jésus, nous adorer Jésus, nous prêcher Jésus, nous servir Jésus. Ça, c'est vocation. Nous sommes capables de dire Jésus-Christ 100%. Quelle grâce, quel privilège. Eh bien, en nous continuer. Qu'un béger nous fixer sur Jésus jusqu'à ce que lui retourne. À nous prier. Nous allons prier matin pour Saint-Esprit, bon Dieu, aidez-nous pour nous préparer cœur nous pour nous capables réjouir de retour ça. Pendant que nous attendons Jésus, Saint-Esprit a aidé nous pour nous rester avec une attente dans la joie, pour nous pas faire figure nous triste même avec païen et au monde qui pas connaît bon Dieu parce que nous avons grand assurance dans Christ. Nous allons prier pour Seigneur aider nous pour nous marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Pour nous pas distraire avec toute distraction que Satan et monde sont capables de nous. Nous prions prier tout pour Seigneur ba nous force pour nous rester fermes et fidèles pendant notre retour Jésus. En nous prions ensemble. Merci papa. Merci Seigneur nous disons merci pour l'opportunité ça qu'on ba nous pour nous te réunir ensemble matin pour nous faire réflexion ça sur ton retour. Nous content, nous avons anticipation que notre retour imminent ou même qui vient pour le fête. Seigneur, ou te dit nous pas connait qui jour même aucun monde dans ciel là pas connaît, c'est papa seulement qui connaît. Mais Seigneur, ba nous un pile signe des temps de la fin des temps qui fait nous sentir qu'on pas trop loin. Aidez-nous pour nous marcher tout sauvé, pour nous marcher toujours tout près, pour nous rester dans communion qui constant avec vous. Qu'aide nous comme ça pour nous rester fermes et fidèles jusqu'à ton retour. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Frère Maxime Mio, c'était un plaisir pour nous être avec vous pendant non seulement toute semaine, non, toutes ces dernières semaines et jeudi en tout. Quoi que nous avons fait une réflexion sur le retour Christ là. Moi, encourage vous pour qu'il y ait des yeux sur Jésus, quitter les yeux fixés sur Jésus, marcher dans la sanctification, railler le péché, servir Jésus avec fidélité, avec onction, pas distraire dans ce monde là pour frire, parce que Jésus a pour retourner certainement. Eh bien, c'est la fin de toute série de dévotions que nous avons fait dans l'église Bon Samaritain pendant ces dernières 6 semaines. Restez avec la paix de Jésus jusqu'à ce que Jésus retourne. Passez une bonne journée et que bon Dieu bénisse. C'était Sœur Myrta Normil. Bye bye.